aujourd'hui on fait du Cookserve Delicious avec Hendrix. Tu peut-être parles pas très fort. On va attendre de voir s'il y a des petits camarades qui viennent dans le chat, dans le chat. Je pense que je vais lancer le jeu. J'attends juste la fin de la petite musique. Saleté de lecture automatique. Là, du coup, avec ce jeu, je crois qu'on l'a, le bug de... On voit tout l'écran qui s'affiche, enfin, toute la fenêtre Windows qui se met dans la fenêtre. S'il veut bien se lancer. C'est ça, fais la petite danse, s'il te plaît. Fais de l'animation, je te prie. Bon, je recale l'overlay qui m'affiche. Voilà, là on est bien. Et du coup, j'ai dit que pour. J'aime tout ça. Trop tard. Si le contrôleur est branché, voyons. Non mais voilà, je t'ai dit, j'ai des ports USB sur mon PC qui marchent pas bien, et tu sais quand est-ce qu'elle a été utilisée la dernière fois, la manette? Quand une certaine petite créature d'environ 1m20 jouait sur le Raspberry, ça a été débranché. Du coup, je ne sais plus sur quel port elle fonctionne. Non, ce jeu prend la manette. C'est un problème. Oui, mais elle n'a pas vibré. Et là, pam, ça marche. Parfait. Waouh. Donc elle save. Et du coup, on va rajouter un petit chef, un petit camarade. Alors. Option. Gameplay. Non. Campagne. Player option. Select mode. Local coop. Ah oui. C'est la blondinette qui tire la tronche. C'est elle. Ouais. Type B, un gamepad, l'autre mouse keyboard. Et du coup on est bon. Et du coup, on est parti. Alors. On en est à du fast food, c'est parti. Ah oui,
On doit pas bien t'entendre. Parce que j'ai un machin pour le noise et du coup. C'est parti! Du coup, ça coupe le bruit à partir d'un certain stade. Alors. J'ai tellement pris l'habitude de jouer toute seule maintenant que je sais plus jouer avec toi, quoi. C'est terrible. Alors le joueur du bas c'est Hendrix et le joueur du haut c'est moi. Si tu veux, je peux te faire un resto italien pour la prochaine. Ah, il y en a que il y a qu'une page. Donc ça va, c'est pas trop compliqué encore. Je refais des machins vu que sinon. Bah je suis obligée d'en refaire. Ah bah y'a plus d'hamburger non plus. Ah j'avais pas vu que l'icône c'est un. C'est le type de KFC mais jeune. Ah c'est moi qui ai pris la fontaine. C'est pas la fontaine que j'essaie d'attraper. Il n'y a pas besoin de les recuire. Allez, tu te débrouilles, hein? Tu t'es trompé? Mais. Et voilà! T'as tout cassé. J'ai placé le bun avant de placer les pickles. J'allais pas lui mettre les pickles sur son sandwich. T'aurais pu essayer. Alors, spicy, lettuce, bacon, tomato, pickle, top bun. Quelqu'un qui veut tout ce qu'il y a de possible. Poulet, tomate, laitue, bacon, fromage, top bun. Y'a plus de shrubbadab, shrubbadab. C'est terrible. En fait, il n'y a pas moyen de. Sur celle-là, de. On n'a pas assez de stations pour pouvoir faire des sides en fait. Ouais. On est trop court. Si t'en as planté 15, c'est qu'ils sont simples. Attends, faut que je regarde un truc. Tu peux Alt-Tab? Parce que des fois le. Ah ok, non, y'a personne. Pour l'instant y'a personne. Soit. Y'a personne. 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 Parce que il m'est arrivé que le chat bug en fait et que. Mais non, c'est pas triste. Même plus simple à deux. Hein. Oui. T'as joué dessus après la mise à jour qui rajoutait des choses? Je sais pas et qui rajoutait quoi. La possibilité d'avoir des. Non. Non, c'est pas ça que je pensais, mais il y a des.
Je vais y arriver, je vais y arriver. Maintenant, il y a moyen de racheter, d'améliorer sa cuisine, pas uniquement en achetant des stations, en fait. Ouais. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas non plus joué avec ma cuisine. Parce que c'est tellement confortable. J'ai peut-être joué un tout petit peu, mais pas trop. Mince, je me suis trompée. Tomato pickle. T'as besoin d'aide? Non, on va pas en faire. C'est la fin de la journée. Ça sert à rien de refaire 3 tonnes de trucs. Quelqu'un qui prend en photo le porte-serviette. Faut dire que c'est un magnifique porte-serviette. Et voilà. Bah oui, mais voilà, c'était le tour de choses. Magnifique petit tableau. Rockback Mountain. 4, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 3. C'est ça. Allez. C'est parti. On a toujours plus de friture. Eh ben attends, ça me donne faim. Tu sais ce qu'on pourrait se faire si on avait de l'argent? Ah non, pas les frites. Parce qu'on a 50 000 quand tu les as faites. Et du coup, c'est pratique. Là, on peut faire des sides. Parce que j'ai... Ça va être tellement... Et tu vois, du coup, comme tu prépares les sides dès le début, ben, toutes les premières commandes qu'on a, elles sont direct parfaites. Merci. Bravo. Oui, bon... Ça t'apprendra à me voler mon travail. Ouais, c'est ça. Ça va mal se passer. Oh, je sais ce que j'aurais pu faire. Après ça, on va mettre en pause 2 secondes. Je vais recadrer la caméra, tu vas voir. Ça va tellement être mieux. Oh, il y a du thé. T'es contente? C'était du café. Ok. Bah désolé, hein, tout est en PlayStation, donc du coup... Meet me.
Sec, French. Meet, meet. Oh là là, la quantité de poubelles, quoi. Bah c'est normal. Ah bah les cabinets aussi, hein, parce que faut dire que c'est rapide sur le transit. Hein. Parle-nous-en. Des cafés. Ah oui, on a le thé et le café, d'accord. C'était ce que je voulais dire. Sweet. Tout à fait, oui. Cher Thierry. Avec quelque chose. Ah, la petite niveau, montée de niveau, au niveau 21, ça y est. On est des rois. Attends, lève un peu. Merci. Laisse-moi rattraper mon petit tabouret parce que j'ai les pattes trop courtes. Tu vois, dans Stack Overflow, ils avaient lancé, ils lancent tous les ans une enquête. Et il demandait à un moment quels sont les outils indispensables à votre vie de bureau, tu vois. Et du coup, il y en avait un qui n'était pas. Et j'ai l'impression que du coup, il y a beaucoup de mecs grands, mais un accessoire indispensable pour éviter d'avoir mal au dos quand on est petit, c'est un repose-pied, en fait. Parce que sinon, on a les jambes trop courtes et on a le dos dans une position horrible. X. Comme Texas. Ah, c'est parce que c'est Texas. Pourquoi ça serait les miennes? Mais non, c'est bon. Des cafes. Tu t'occupes des tâches ménagères, hein. Désolé. Ah ouais. Ouais. Tropique. Aujourd'hui, c'est toi qui fais la vaisselle. Oh, on n'a plus rien. You had one job. Oui, bah... Regarde, toi aussi, t'as one job. C'est un coup, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un coup, est-ce que tu te retrouves à devoir les faire à la main? Je pense qu'on gagne plus d'XP si on fait des trucs parfaits. Il y a peut-être un peu plus de buzz. Ce qui est buzz, etc., c'est que pour notre escouade. Parce que là, il y en a un buzz, là, tu vois. En haut à droite. Là, ici, tu vois. Et il augmente quand même au fur et à mesure de la journée. Il y a, à chaque fois qu'on réussit un truc, il devient légèrement bleu-vert. Et j'ai l'impression que ça augmente. Regarde. Regarde. Je voulais valider la commande pour que tu puisses regarder. Regarde. Tu vois ? Boum. J'ai compris, c'est moi qui fais la vaisselle. Badam. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? J'étais pas là. T'étais au cinéma ? Ah oui, on a monté de niveau. On gagne plein de trucs. Oh ! Plein de trucs moches. Et tu vois un peu de purée pomme de terre sur tes murs. Alors, du coup... Oh bah, Sushi Nest, c'est parfait. T'es là. Ouais, c'est plus simple quand t'es là. Alors du coup, ce que je voulais faire, c'était... Je sais pas si t'as vu le nom de la webcam. Oui, c'est rigolo. T'es tatou. Attends, tu là. Oui, attends. C'est juste pour qu'on ait le haut de ta tête. Voilà. Comme ça, c'est parfait.
Merci. J'ai mon bandeau qui glisse. Vaut mieux qu'il glisse plutôt qu'il glousse. Hein. Et attends, et du coup, maintenant, stratégie de... Hop! Voilà, comme ça, on a presque la même taille. Waouh! C'est trop bien. Wow. T'as un gros cul. Hein? Ça ne permet pas. D'abord, madame prend toute la chaise avec... toute la chaise avec sa place de bureau, hein? On est parti pour du sushi. Oui, non mais vas-y, hein. Voilà, regarde, c'est ça le tofu. Tu te disais, oui, blabla, c'est pas bon le tofu. Mais c'est ça. Si tu le fais comme ça, c'est bon. Si tu le fais comme ça, c'est bon. Allez, on est parti. Il n'y a rien à préparer à l'avance. Hein. On va faire des points dégâts. Trop tard. En plus, ça tu sais faire, il y a la... donc alors, c'est bon, c'est facile. Oui, sésame, carotte, mayo, wasabi, oui. Asperge, et là, concombre, roll et crevette. Je mets une tonne de thym, de l'anguille, on roule. Tu me vois le petit bruit de tchac tchac tchac. Tiens, du tofu frit. Ah, le voleur! Oh non! Ce soja, le petit fruit, des petits oignons, du radis. Raté! Et ben voilà, on a raté la journée. Mais. Du radis. C'est parce que je me rappelle plus quelles sont mes touches. Voilà, tu prends les tâches ménagères. Mais la fontaine, c'est pas une tâche ménagère. Enfin, si, mais non. Il y a cleaning dedans. C'est la tête de... C'est le visage de la mauvaise foi, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Alors, pareil. Oui, sésame. Concombre. En vrai, si ça se faisait aussi vite, ça serait pratique. Hein. C'est clair. Oui, sésame. C'est bon, tu l'as cassé la binette au pauvre petit voleur qui venait. C'est vrai qu'avec de l'avocat, ça serait tellement bon. C'est trop bon, le bon avocat. Non, les tâches ménagères, c'est moi. Mon sang. La sauce à la moutarde. Il est où le gingembre? Bah ça va, on a survécu. Easy. Je sais pas ce que c'est le hagedashi. Très bonne question. Riz, concombre, crevette, mayo, anguille, roll. Bah c'est du tofu frit, je pense. C'est pareil, hein. Dans si une petite pâte à frire. Si tu faisais de la roll, ça se saurait, hein. C'est juste parce que t'es pas encore suffisamment fort, ouais, c'est tout. Ouais. Tu seras suffisamment fort, ça sera facile. Crabe, crevette, mayonnaise, asperge. Avec des asperges, ça serait pas mal aussi. Oui, toi t'aimes pas, mais moi j'adore ça. Du coup, ça pourrait être cool. C'est pas inconfortable au possible d'être sur mon accoudoir. Ok, ça va.
Parce que j'ai mes accoudoirs qui sont pas particulièrement confortables. C'est pas vraiment du crabe quoi, c'est du surimi. Haha, je t'ai pris. T'as l'air malin. Ah, j'ai fini avant toi. Des radis. Non, Tommy. Vous êtes désagréable, monsieur. Je sais pas s'il est mariné ou pas. Faudrait qu'on regarde, faudrait qu'on regarde. Ils vont trouver du tofu à Lidl. C'est moi qui rate la journée. Mais c'est pas ma faute aujourd'hui. Oh, un magnifique mur de prison en béton. Oh, des jolies banquettes rouges. Il y avait l'as de pique. What? C'est une chanson de Motorhead. Ah. C'est parti? Oui, bah allons-y, de toute façon. Tu sais ce qu'on pourrait faire si on avait de l'argent? À manger. On pourrait aller acheter à ce mois des sandwichs. Oh là là. Et ben, déjà bon courage, hein, parce que il y a absolument rien en PlayStation. C'est pas grave, tu vas m'aider. Ah oui, c'est vrai, avec les sandwichs infernaux. Oh là là. Alors, roast beef, laitue, tomate, oignon, concombre, oignon. Ça va, tu te souviens vachement bien pour quelqu'un qui se souvient de rien. Et de comment on joue. Tu pourras me laisser les Mac Morning. Des gens, ils ont le choix entre un cookie et une salade, ils prennent une salade. Une petite salade avec votre salade. Des olives. J'ai envie de manger des olives. Je pense que c'est un pain avec du fromage, le rosemary bread. Ah ouais. Ah oui, parce que sinon je vais perdre la main et la semaine prochaine je vais pas m'en sortir. Provolone, laitue, tomate. Ils sont où mais... Ah, pink onion. Ces sièges ont l'air inconfortables au possible. Meatballs, cheese, white bread. Sandwich à la bolognaise. Island cheese. Crouton. Croissant. Mushroom. Brocoli. Onion. La personne a mangé un sandwich au salade. Bah c'est bon. Il y avait du salade.
C'est peut-être quelqu'un comme moi qui arrive, on lui demande « Vous voulez quoi ?» Il y a tellement de choix que la personne fait « Derp !» Saucisse, fromage, croissant. Saucisse, œuf, fromage, croissant. Saucisse, fromage, croissant. Flûte. Jambon, œuf, biscuit. Jambon. Provolone. Bah, en même temps, on n'a pas mangé encore. C'est vrai. Non, j'ai mangé un pain au chocolat. Non, on a fini. J'ai même pas constaté qu'on était en rush hour. Trop facile. Un peu trop facile. Bravo! De blé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait du wheat bread? Parce que c'est peut-être parce que c'est le nom du pain en grains. Ah ou le ah non, c'est parce que l'autre c'est du pain blanc. Le pain blanc ça va se faire avec autre chose. Non, le pain blanc ça se fait aussi avec de la farine de blé. Mais alors où est la différence entre le pain blanc et le pain en blé? C'est peut-être alors, aussi c'est blé complet. C'est peut-être ouais pour dire blé complet. Découpons poulet, de la sauce, du fromage, des croutons, des champignons. Des brocolis et des oignons, ça doit être bon. Mince, je me suis trompée. Sauce, des petits morceaux d'œufs, vraiment tout petits morceaux d'œufs. S'ils me disent que je les ai pas mis dans le bon sens, ça va suer. Piparou, piparou. Jambon, œuf, croissant, saucisse, œuf, fromage, biscuit, tiens ton ami, c'est quoi la sauce orange? C'est une sauce type celle que Parmi il fait. Ah ouais? Je pense. Ça fait, en fait, c'est parce qu'on a trop l'habitude de voir des vrais croissants et du coup, quand on voit des croissants vraiment pas beaux, on a peur. Ça nous effraie. Je suis pas sûr que ce soit une viennoiserie, tu vois. Là, c'est, ça a l'air d'être plutôt de la pâte brioche bizarre. Genre, tu le fermes, après tu mets une claque à la personne qui est le plus près du... Et voilà, les deux failles, c'est de ma faute, quoi. Bon. Vas-y, elle te tape 2 secondes. Ah, personne. Aujourd'hui. Personne. Ah si, il y a Moineau. Mais il y a peut-être... Tronzilla. Et Tronzilla. Personnes qui n'ont pas fait coucou dans le chat, ou alors le chat est cassé. Le chat est cassé. Je vais le rouvrir. Là. Bienvenue
sur le chat. On verra. Ah, BJR. Ah super, oui, voilà, c'est bon. Donc le chat n'est pas cassé, c'est juste que les gens ne parlent pas. BJR. Voilà, comment tu l'as bagué alors que ça... Oui, voilà, surtout, il voulait... Non, mais c'est juste que j'avais peur que les gens parlent et qu'en fait, ça marche pas, vu que ça met... Oh non, le retour de la viande bizarre avec une injection. Ah non, père. En fait, je pense que si c'était pas un instrument utile qui ressemblait à ça, ça serait moins effrayant. Oh là là, pico de gallo, œuf, cheese, tortilla. Ça a l'air trop bon, ça. Bah oui. Voilà. Ça aussi, ça a l'air trop bon. J'ai envie de manger X, tomate, X, oignon. C'est tout ? Eh, hey, on les sert juste comme ça, d'accord. Ça me va. J'ai beaucoup de... On pourra aller manger un mexicain, on mange très bien. Cool. Ah, coucou Mana. Oui, ça va bien, Moano. Merci. Et toi-même? Ceci est Hendrix. Vous l'avez déjà vu dans le chat. Je pense que c'est du pain complet. Avec du tomate. Non. Mais j'ai glissé, chef. Oh, la petite montée de niveau, on est voilà, niveau 22. On passe quand même de niveau, pas de problème. Oh, ça a l'air trop bon. J'ai tellement envie de manger de la mortadelle. Avocat, tomate, fromage. Ouais, on joue en coop local. Et du coup, je suis le joueur du haut. Enfin, du coup, la joueuse en l'occurrence. Ah, ils sont super faciles à faire, les petits burgers. Ça va 8? Oh là là. Non, ça va pas 8 du tout. Mais où ils sont? Mes oignons? Ah, Black Bean, c'est pas le même nom, c'est pour ça. Oh là là, c'est la ramance du fion! Désolé, j'ai mis une éternité à trouver un truc. Cette espèce de double tortilla là, ça me fait trop envie. La tortilla en sandwich ? Ouais. La sandwichilla ? Ciabatta. Moutarde. Du fromage, du fromage. Des sauces. Les poubelles, vite ! Ça brûle. Du bacon et un ciabatta. Alors pour l'instant, on en est à. J'ai fait autant d'anneries que lui. On est à 4 journées. Bon courage, Moano. De rater pour moi, de rater pour Christophe. Je sais même pas si on entend correctement Hendrix du coup. Ça serait dommage, on n'entend pas ma voix suave et sensuelle. Ça va les chevilles? Si tu veux, la prochaine fois qu'on fait des tortillas, j'en laisse un paquet ouvert, comme ça elles sèchent. Non, c'est pas le but. On l'entend relativement bien. Des épinards. Bœuf. Parfait. Oh, tu voles mes trucs. Bah, je prends les trucs les plus faciles, quelle question, regarde. Voilà. Hop.
je me suis rendu compte que c'était easy, je veux pas en plus prendre des trucs compliqués, t'imagines? Brisket. Qu'est-ce que c'est? Oui. Non, 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 il y a plein de gens, c'est juste parce que ils ont vu de la lumière. C'est ça, tu sais, des fois il pleut dehors, voilà, il y a plus de monde. Ah bah lui, il voulait tout dans sa partie. Il voulait tout la partie. Brisket. Qu'est-ce que j'ai fait? De la laitue et du maïs. White, mayo, jambon, de la dinde, de la laitue, des tomates et du pain. Oh la merde. On avait pas le temps de lire le chat quand on jouait. Chicken. Eh ben oui. C'est ouf. C'est pour ça qu'il faut faire des pauses de temps en temps. C'est pour ça que je vais. Quand on a des déco sympas. Ouais, ouais. Voilà, ça fait comme si tu parlais dans les toilettes. C'est un bocal. Comme d'habitude, quoi. Ça change pas parce que son micro, dans tous les cas, chez lui, fait aussi comme s'il parlait. Bah non, ton micro fait pas du tout comme si tu parlais dans les toilettes. Mais c'est pas ce micro-là, il fait plus ça. Non, il le fait plus, c'est vrai. Il fait juste un son tellement étouffé qu'on t'entend pas du tout. Non, chicken. Désolé. Oui. Petite injection. Berk. Chicken, tomate, lactine, mozzarella. Faudrait que j'appelle Parmi. C'était son premier jour de job aujourd'hui. Je sais pas, je crois que c'est toi. Hein. Parce que moi j'en ai pas vu passer une seule mauvaise. Je sais pas. On regardera. Hein. Je sais pas. C'est sûrement la faute du jeu. On fera l'arbitrage vidéo. Food. Waouh, c'est méta. Genre... Ici, on vend à manger. Ah bah, Slamise. Il est farpel, Slamise. Ah bah oui. Il est facile. Toujours plus de charcuterie. J'ai tellement envie de manger la charcuterie. On a pas d'argent. Oui. Non. Je pense que ça va pas être possible, mon cher. Eh ben voilà. Faut voir la quand. Ce que je vais faire, c'est que. C'est toujours bien de préciser qu'il reste au bord de la boue. Voilà. Oui. Mais t'imagines? Les gens pourraient ne pas... Non, mais c'est vrai, hein, on sait jamais. Hein. C'est des fois, tu... Attends, je crois que le jeu a refait le truc, truc pénible. Non, c'est Slag qui joue... Ah, c'est Slag qui joue de la guitare. Ok, c'est très très particulier. En fait, il y a quasiment rien à préparer, là. Eh oui. C'est pour ça qu'il est facile, le Slamise. C'est vrai, hein. des fois, tu rentres dans un resto, et en fait, bam, ils vendent des guitares. La fameuse guitare couture. Ah, c'est celui avec la boule de billard qui fait... Oh. Et c'est une boule de pudding. Oui, pardon. Après, je pense que tu peux jouer au billard avec si tu veux, hein, mais tu risques d'avoir des problèmes. C'est peut-être pour ça qu'il y a des trous dedans en fait. Taper dedans, je sais pas. Bon bah voilà. Bonne journée. Tu verras. Ah, mid kick, low kick, high punch, low punch, parce qu'on fait la justice nous-mêmes. Mince.
Oui, mais en même temps, tu fais les tâches ménagères plutôt que de faire la manger. Mais je parle pas de ça, je parle quand même de jus de pêche. En même temps, tout à fait, cher Andrix. Je pense que. Voilà. On peut dire ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Oh, y'a plus de petits. Je suis trompé. C'est moi qui rate la journée. Hein. Je te jure. Et en plus, tu voles mon travail. Et en même temps, toi, tu ne fournis pas de travail aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, regarde, je suis au chômage technique. Pouch. Remoineau. Bon courage, hein, parce qu'ils partent tous en... Bah, je disais que... T'as raté la journée quand même. On va refaire du jambon, ça va durer une heure. On va faire du roast beef et ça va durer une heure aussi. Une petite injection. Oh, tu voles mon travail. Bon, au moins je le fais correctement. Tu veux qu'on parle des trois derniers jours ou comment ça se passe? Bah, celui d'avant, on sait pas. Faudra qu'on regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que ça va mieux, moineau, au niveau box? De danser la lambada. Ça serait rigolo une box qui danse la lambada. Tu verras le resto, mon resto, le menu, il est super facile. Ou qui de temps en temps, elle attend, on fait. Ah, Anna, elle a dit que. Elle sait qui a foiré le jour d'avant, mais elle veut pas dénoncer pour pas mettre les mauvaises ambiances. Non, mais si, vas-y, dis-le, à moi je l'assumerai. Parce que t'es persuadé que c'est moi, c'est tout. Non, c'est pas parce que je suis persuadé que c'est toi, j'en sais rien. J'en sais absolument rien, je m'en rappelle pas. On devrait faire des gages. La personne qui plante la journée en premier. C'est frustrant, hein ? Quoi ? De se faire voler le travail sous le pif. Hein ? Le pire, c'est qu'il y en a un, il était dans le noir, tu l'as même pas vu, tu fais mal le contraste. Ah, c'est Hendrix, il a mis la tomate dans un truc alors qu'il en fallait pas. Ah oui, si je me rappelle, c'est quand j'ai glissé. Et c'était, je sais, je crois que c'était pas de la, je crois que c'était pas de la tomate. Je non que je devais mettre de la tomate. Tu prends le 3? Mais j'ai mis autre chose. Non, non, je prends les autres. C'est pas ce que je te proposais juste de t'aider, tu vois, mais bon. La box c'est calme. En même temps, si tu l'achètes, non, si tu la lances quelque part, c'est clair qu'elle va se calmer. Tu vas te calmer ? Tiche ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Depuis que j'ai vu ce truc, ça y est, j'en peux plus. Calmez-vous ! C'est frustrant, hein ? Quoi ? Je t'ai vu appuyer sur le clavier frénétiquement, hein, et te demander pourquoi ça ne répondait pas. Qu'est-ce que tu dis ? T'as vu Gnapnom ? Oh énorme, il y a une play. Bon, il va peut-être falloir finir par faire une journée parfaite à un moment. T'es gâté. 4. Il y a un moucheron ? 4. 3. Breakfast. Si tu veux, on peut. It is. Sinon, on peut faire un restaurant asiat. Chinese Town. Ça te dit, non ? Pourquoi il y a une Bah, c'est facile de faire une journée parfaite. Épinards. Ah, on va faire des oignons rings parce que j'ai envie de manger des oignons. Ça y est. Chili.
huile, grain en mit, red bean, green pepper. Ok, d'accord. Donc c'est lasagne et chili. Sauce végie. Faut essayer de faire des lasagnes aux courgettes. Ah la bière! Bah écoute, tu prends la bière, hein, voilà, c'est décidé. Je te préviens, cette journée va mal se passer. Ce sera de ta faute. La bière, c'est l'enfer. C'est la bière des enfers. Ah oui, il y a ça. Je sais pas si j'ai appuyé ici. Si, tu... c'est bon, il y avait 6 empreintes. Et après, tu me demandes, oui, mais pourquoi est-ce que tu prends ton temps pour appuyer sur les touches pour faire les 6? Pas besoin, je sais pas trop si je les ai fait. J'ai faim. Oh, faut qu'on fasse les courses. On a les repas? On a la liste des repas? Ah oui, le petit qui était aux toilettes et qui on a perdu le focus. Oui, exactement. Ok. T'as foiré. Je t'ai vu. C'était une bière. Je l'avais dit. Je l'avais dit que ça allait mal se passer. Ça m'a passé. Je suis un peu le Nostradamus. Le Nostradamus. Il y a une bière qui t'attend. Il y a deux bières qui t'attendent. Ouais, mais la bière est super dure. Je sais pas si tu y as rejoué, Réna, et t'es allé voir servir la bière. C'est. Après, c'est l'enfer. Peut-être qu'il y a une strat et je l'ai pas comprise. Mais clairement, s'il y en a une, bah, je l'ai pas comprise. Et voilà, t'as fait déborder la bière. Mais aussi, c'est relou. De toute façon, en plus, en vrai, normalement... Ah, mais tu vois, Réna, elle prend juste son temps, tu vois. Alors toi, t'es un trop gros bourrin. En vrai, la bière, tu la sers comme un gros bourrin, et la bouse qui sort, tu fais chlouf. Et voilà, c'est terminé. Tu la coupes, et voilà. Le petit livelage. Et raté, j'ai mis de la ricotta sur le dessus. Et j'en aime pas quand il y a de la ricotta sur le dessus. Je ne suis pas d'accord avec la recette de lasagne aux épinards. JPP, j'en veux plus de la bière. Eh, si tu me fais passer en médaille de bronze... Ben, ça fait 3 là, déjà. Je te juge. C'est 5. Si tu veux, tu peux prendre le reste des bières. Comme ça, ce sera pas ma faute. Les lasagnes de base. Mais les lasagnes classiques, en fait, moi, j'utilise pas de la ricotta, je mets de la béchamel. Mais quand ils mettent des épinards, nous, ce qu'on fait, c'est on met épinards et on met pas du tout de sauce tomate, on fait juste épinards et... Là, ils mettent pas de sauce tomate avec les épinards. Ouais. On met épinards et béchamel et fromage de chèvre. Je mangerais bien une cobette d'Alas Multipass. Voilà, pas de sauce tomate avec les épinards, on est d'accord. Dans l'idée, c'est bizarre. Je pense que c'est juste pour que le jeu soit moins difficile. Ou alors c'est la personne
qui a développé le jeu, qui sait pas comment est-ce qu'on fait des lasagnes aux épinards. C'est pas. C'est peut-être parce que la personne est asiate. Et du coup, les plats qui sortent de l'espace pour nous, c'est un peu son quotidien. Même s'il y a des spécialités qui sont pas de son pays. C'est bon, calme tout ça. On va pas refaire de chili. Sopadeg. Quoi? Il y a quelque chose en 1. Et du coup, j'ai même pas pu goûter les lasagnes aux épinards samedi. Moi non plus. J'en ai pas du tout mangé. Donc, il faut que je trouve un plat plus grand. Faut que j'achète le même plat, mais. En même temps, parmi, il m'a mis une part de lasagne normale énorme. Et du coup, après. Du coup, je pouvais plus manger. T'as vu, il y a une bière pour bien finir la journée. Parfait! Elle était limite. Bah voilà, 3 bières. Ça va. Oh, une magnifique lampe! Ouais, un lampadaire de rue. Les insectes. Belle plante. Des banquettes bizarres. Des gens qui courent à cheval. Un hublot. C'est un sopalin, c'est ça? Rouleau de serviettes. Pour mettre sur les tables. Eh ben, c'est pas beau. Du coup, on va faire des cannolis. Ah non, c'est pas des cannolis. Oh oui, pas les cannolis. Non, mais c'est les tartes, c'est encore pire. Non, il y a rien de pire que les cannolis. Il est trop mignon, ce petit machin. C'est un petit ourson. Grave. Il y a pas de side. Très bien. Chocolate. Oh là là. Échantillon. Whip. Ça, c'est pareil. Le truc est vert, juste dans ma conception de la nourriture. En même temps, la personne qui fait le jeu habite aux États-Unis. Et ils ont des manières un petit peu étranges de faire la nourriture. Et surtout, ils utilisent beaucoup de trucs industriels qui ont pris des. Des couleurs qui ne doivent pas forcément être comme ça. Ce machin de glace, c'est tellement du vore, quoi. Le machin, la petite icône dans le cône de glace, enfin la petite mascotte. Quoi? Bah parce que c'est une créature mignonne, mais t'as envie de la manger quand même. Mince. J'ai appuyé en même temps que toi, et du coup tu l'as préparé, et je l'ai mince. Mais... Je t'ai juste décoiffé, c'est bon, t'inquiète pas. Tu veux qu'on recommence la journée? J'avais préparé toutes les tartes et tout. Je t'en fais une petite cuillère, c'est facile. Ah ouais? La tarte à la rhubarbe, j'ai tellement envie de manger de la tarte à la rhubarbe. La préparation à la rhubarbe qu'on a dans le frigo qui est pas de la confiture, je peux trop la caler en tarte en fait. En plus, on a des pommes. Oui, mais t'es relou aussi. Et puis t'es pas obligé de manger de la tarte? Mint, oh. Et des bonbons. Oh, c'est pas bon la rhubarbe. Oh là là. Ces gens qui n'aiment pas l'acidité. Ah voilà. Écoute les gens raisonnables. J'ai réussi à te faire réapprécier les choux de Bruxelles. Je parviendrai à te faire apprécier la rhubarbe. J'ai le micro sur le nez. Ah tiens, ou alors je fais ça. Hop, j'ai une antenne. Les choux de Bruxelles, hein. Raina, elle fait partie de la team choux de Bruxelles. Eh ouais, on est d'accord, les choux de Bruxelles, c'est bon. Faut juste bien les préparer. En fait, je pense que ouais.
Je pense que ça doit être ça le problème, c'est que je suis prêt à faire un Allez, je mets tout d'affilée. C'est bon, je serai derrière pour... Sherbert. Ah oui, du coup, on avait regardé ce que c'était le Sherbert la dernière fois. C'est une espèce de glace avec des sirops. Whip, chocolate. Whip, chocolate. J'ai tellement envie d'essayer ce truc là. Ah, je me suis fait la whip. Quoi donc? Le truc qui ressemble à des churros là? Ouais. Bah, je pense que ça doit être semblable aux churros. C'est trop bon. Surtout avec le chocolat. Certains diront que moi on met du chocolat sur n'importe quoi et je le mange. C'est clair, je devrais te faire de la rhubarbe au chocolat. Franchement, ça se tente. Je pense que le pauvre Sly, il doit être la tristance là de... d'être tout seul dans son coin. Oh non. Oh non. Allez, salut hein. Bah, de toute façon, d'habitude, je suis toute seule. Je suis bien obligée de les faire quand même, les glaces. Je peux pas faire, non, je sers pas les glaces. Ici, on sert pas les glaces. Ah, LMR a aussi. Les funnel cakes, ce sont des beignets de carnaval. Donc voilà, c'est un peu comme les churros. Rena, elle a tout mangé dans la vie. Elle a tout mangé. À chaque fois qu'on dit, je me demande ce que c'est ça, elle fait, ah bah tiens, j'ai goûté. Par exemple, elle ne recommande pas les cannolis. Comme quoi, ça serait plutôt écœurant. Eh ben moi, j'en ai mangé des cannolis et c'est pas ouf. C'est bon, mais c'est pas ouf. Alors que tu vois, c'est genre la pâtisserie italienne, gna gna gna, il faut que t'en aies mangé une fois dans ta vie. Ah non, là, t'as googlé, d'accord. Ben franchement... franchement, c'est... ouais. C'est mouais sur 20. Ouais. Et pourtant, j'en ai mangé qui venaient de la pâtisserie italienne, tout ça... Laisse-moi les tâches ménagères, toi. T'as plein de glace à servir. Mais t'inquiète pas. C'est toi qui fais la journée. Oui, c'est moi qui fais la journée. Je pense qu'il faudrait vraiment un... un gage ou une casquette ou quelque chose comme ça, ça serait rigolo. Il faudrait un chapeau ridicule. Et celui qui se foire est obligé de mettre le chapeau ridicule pendant la journée d'après. Je crois que je n'ai pas de chapeau ridicule. Pas à notre taille. T'as un chapeau toi? Quoi? Non, j'ai pas de chapeau ici. Je crois que t'as une tête plus grande que moi. Il est 1h05, je vais faire 3 minutes de pause, le temps d'aller chercher un chapeau. Le chapeau de la honte. C'est gras les cadeaux. Effectivement. Et le truc qui est frit, forcément, c'est clair que... En même temps, dans le truc de pâtisserie italienne dans lequel j'ai goûté les cannolis et d'autres trucs, il n'y avait pas grand-chose de pas gras. Peut-être juste que la pâtisserie italienne est grasse. Tiens, je te laisse la manette, comme ça t'es joueur 1. Si tu veux accéder au menu et bouger. Que... je vais chercher un chapeau. On va rien gagner du tout. Eh oui, la faute de qui? De toi. J'ai envie.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Un petit Chinese food. Voilà. Je reviens. Tiens, je te propose. Non, je veux boire. Où est mon verre? Je ne sais pas. Tu l'as proposé dans la cuisine. Voilà, donc du coup, j'ai deux chapeaux potentiellement ridicules. Un magnifique Bob. Le classique Bob. Un Bob bobesque. Et un petit chapeau. C'est comme un Bob, mais en plus, on a les trucs sur les côtés qui peuvent se replier un peu. Il est un peu froissé en plus. Après, le Bob, bon voilà, c'est un Bob d'enfant donc. C'est pas. Peut-être comme ça. C'est quoi, du coup, c'est quoi qu'on met? On a le choix entre celui-ci et celui-là, mais en fait, on peut peut-être. Essaye-le déjà. Voir sur lequel. Je sais pas, ce qu'il est un peu petit, peut-être qu'il tira pas. En plus, on le voit même pas parce que je suis pas assez dans la caméra. Mais oui, en plus, on peut pas faire mieux que ça. T'es trop grand, voilà. Si t'étais moins grand, et ben voilà. Donc garde le chapeau ridicule. Ah, moi, je crois que Réna préférait le Bob, tu peux voir. Tonton. Je vote le Bob. Le Bob, c'est l'assurance d'avoir l'air d'un pêcheur. Voilà, parfait. Est-ce que tu pourrais me passer un verre d'eau? En fait, j'ai pas ramené de bouteille d'eau. T'as ramené une bouteille d'eau? Bah, je me suis servi dans la cuisine. Quel monstre! Allez, un verre d'eau. Un verre d'eau. Magnifique. Je sais pas si c'est cet objectif, cet adjectif que j'emploierai. Carrément pas. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu reviens ? Merci. Oh. Allez, c'est parti. Ah bah, Chinese food. Easy shit. Ouais, une journée parfaite. Superbe. Je pense que je vais garder le chapeau. Niveau 4 en plus. Allez. Ouh. Je fais du riz. Riz, sauce soja, carotte, petit pois, des œufs, de l'huile. D'accord, il y a. Sauce soja, on met tout. Ouais. De l'huile. Faut les préparer, les comètes? Oui, il faut les préparer. Y'a que des tomates, des carottes, des champignons, de l'huile. Et avant d'avoir ça. Il y a beaucoup de choses à préparer. Laisse-moi les cobettes limite parce que ça sera plus simple. C'est sûr. Eh mais en fait je vois que mis à part les cobettes, y'a rien à préparer. Tu vois là? Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a tout en prep station. Oui. C'est ce que je vais lire. Oui, mais du coup, en fait. Le reste, oui, ça s'envoie direct. Du coup, ça va être horrible parce que ça va partir super vite et après, ça va être la pression. Ça va être le ruche. Texas X. Parce que Texas. Fatigant, parce que tu es tellement fatigant. Je vais en faire des crevettes. Je pense qu'on peut enlever les sides, mon cher. Ça va être l'horreur.
chapeau. Oui, chapeau de la honte. Non, avec marqué mécréant. Ah, pas mal. J'ai cassé la combo. Quoi? T'écris sur la sur le chapeau, j'ai cassé la combo. Alors, chômage. Des trucs que je ne connais pas, des trucs que je ne connais pas. Et si on fait ça, ce sont j'ai le cœur à ce moment-là. Du coup, c'est un blog. Le prochain, je pense que je pourrais aussi le faire avec toi. Nice! Mardi. Il y a du thé. Classique. Classique. C'est terrible. Je sais pas pourquoi dans ce restaurant il y a les Beatles. De fin de Rush Hour, j'ai l'impression. Comment ça? Ah ouais, genre, j'ai pas vu. Ouais, je sais pas. À vrai dire, je fais même pas attention à celle qui annonce qu'on est en Rush Hour. Donc, On aurait dit Chewbacca. Il paraît que quand tu bailles, on dirait Chewbacca. Je vais prendre ça pour un compliment. Et j'appellerai Parmifère parce que lui, il ressemble à Chewbacca. On jouera ensemble, c'est 4. Et c'est parti. C'était quoi déjà? Je sais pas si tu te rappelles, c'est le bruit typique de la personne qui s'en va dans le premier concert. Peut-être pas dû faire ça. Il n'y a plus de chômage déjà. Il n'y a plus de chômage. De soupe EDI, il paraît que ça s'appelle. Oh, le thé, ça me fait galérer à chaque fois. Ça te fait gâter thé? Petite montée de niveau. Pêche. Coucou Chiro. Comment ça va? Faut que tu regardes la caméra quand je fais. J'ai des post-it, je pense qu'il y a moyen que je fasse un truc. Personne a cassé la journée pour l'instant. On est à 102 combos. Ouais. Finish. Avec le petit smiley. Et tiens. Oh parfait, j'en ai pas fait. Tiens la manette. Chose qui tienne, les post-it sur la tête. Attends, tu vas voir. Ça va jamais tenir.
Alors, voilà, première médaille d'or de la journée. Magnifique. Clap, clap, clap. On nous applaudit. Je peux pas dire, mais voilà. Tiens, donne-moi ton chapeau. Ce n'est plus ton chapeau puisque tu... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un comptoir en mosaïque. Type le meilleur kebab de Villeurbanne. Tu te fais un chez mon bandeau. Mon bandeau, regarde, on a gagné filet mignon. Oui, mais comme mon resto est végétarien, du coup... C'est bon, filet mignon. C'est vrai que ça se fait avec des flèches, c'est très bizarre. Du coup, là, on en a 4, là, on en a que 3. Mais... Merci pour les applaudissements. Ah, on a débloqué Pyrite. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Regardez, regardez. Ah oui, mais peut-être que du coup, le feutre rose, ça passe pas bien. Ouais, on le voit pas. Non, ça se voit absolument faut pas. Faut que je prenne un feutre noir. On passe au vert. Au vert et contre tous. Pourquoi pas, oui, le vert. Je ne l'ai pas. Quoi? Mon surligneur pour valider les trucs? Ah non, il est juste posé à côté, derp. Non mais... Allô? Des desserts. Ça va la fin? Chiro adore les desserts. Il y a des tartes, des petits muffins, de la glace, des petits cookies. Oui. Du coup, on va faire quoi sur la journée d'après? On fait Pyrite. Ok, d'accord. Que des pailles. Pas que des pailles, mais oui. Ah oui, il vient juste d'être débloqué. Est-ce que ça va se voir? Bah là, c'est en marron, du coup, vu qu'il y a du rose sur les. À peine assez, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Filtre. Shame. Shame. Gling. Je vais le mettre face à la caméra. Parfait. Je pense que comme ça, c'est bien. Parfait. Mais là, du coup, tu peux l'enlever vu que t'as pas cassé la combo, c'est bon. Non, non, c'est on le garde jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui casse la combo. Ok, d'accord. On est parti. Ah, flûte. J'ai dû démarrer devant. Ah, cookie. Tarte chocolate. Pumpkin. J'aime bien. J'adore les bruitages de yeux à chaque fois, ça me touche. Chocolate. Oh, des muffins dans le jambon. Il paraît que ce bob te va magnifiquement bien. Slag, est-ce que tu n'en faisais pas plus magnifiquement? Slag n'est pas d'accord. Moi, je trouve que j'ai l'air ridicule. Est-ce que c'est pas juste un effet inhérent au Bob? Est-ce que c'est pas un effet inhérent au Wendrix sauvage? Vous avez entendu quelque chose? Voilà. Tout d'un coup, moins de lumière. Mais non, faut pas dire, tu vois, il faut pas te dire sinon tu vas être triste. Non, mais je m'en fiche. Hein. Vous voulez la journée parfaite, on a eu une journée parfaite, c'est bon, ceci dit, le quota quotidien est fait. Mais je vais mettre une étiquette de l'autre côté, j'ai volé les tâches ménagères. Il y a des gens, ils viennent et ils demandent une tarte. Et ils prennent une tarte complète et ils mangent ça. En même temps, moi tu me donnes une tarte au chocolat, je la mange en entier. Hein. Pas de problème. Gros tas. Tout de suite. Tout de suite des insultes. Ah, Shiro il fait ça aussi, ok c'est bon. Tu n'es pas tout seul. Pourquoi? Il y a d'autres personnes qui comprennent ton régime tartesque. Le
chocolat, t'as pas besoin d'avoir faim, c'est directement absorbé. C'est ça, oui, tout à fait. J'en parlerai à mon cheval. Lui aussi, il a pas besoin d'avoir faim pour manger du chocolat. Calmez-vous. Calmez-vous. Avec les expressions copyrightées. Je croyais qu'elle était open source celle-là, tu l'as pas déposée sous Creative Commons. Moi je dépose clairement open source, je suis un mécréant. Bah bon courage. Millionnaire. En même temps, il y a quand même un truc, c'est que toi tu fais les prep station et quand on prépare. C'est bien que tu t'en rendes compte et qu'on rate les prep station. Ça casse pas la combo. Voilà, exactement. Je sais. On a pas de pénalité. Je sais. Alors qu'en vrai, le mec il est derrière à la grande cuisine, il prépare ses trucs, il foire tout, tu sais, il balance tout à la poubelle. Je pense que il prend une petite tape derrière la tête. Eh hey, mais les clients ils s'en fichent, tu vois. Du gaspillage alimentaire. Tout ça. Du moment que le client il voit pas que dans ta cuisine c'est Bagdad, tout va bien quoi. Tu veux dire que dans ta cuisine la pâte à pain ça fait le joint des carrelages par c'est exemple. Ça, exactement. Voilà, ça va être bon comme ça aussi. Faut aimer les blueberries. Qui n'aime pas les blueberries? Sérieusement? Bah, je trouve ça overrated. J'ai pas dit que c'était exceptionnel, j'ai dit que c'était bon. Je veux dire que de toute façon. C'est comme les myrtilles. Je trouve ça pas ouf. Après, je suis pas très fruit de toute façon. C'est un mélange de fruits rouges et de pâte à crumble, j'ai l'impression. On dirait du muesli. Ah ouais? Tu trouves pas? Je sais pas. Moi je trouve qu'on dirait du muesli. Bah. Y'a plus de charme pour pratique. Oh, y'a plus de charme pour pratique. Non. Pas de soucis, on en envoie. Ouais. Pas en faire des tonnes. Là, il y a le patron qui vient de revenir derrière qui fait « Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Il voit tous les plats ratés par terre, un peu partout dans la cuisine. Cranberry, oui. Oh, et en plus, faut la gelée de cranberry. Ça va être bizarre, ça va être particulier. Ça va être assez étrange en effet. Bon bah, je vais garder mon chapeau. Cranberry séché. Du coup, on en était à. Ouais, non, ça y en a pas beaucoup. Ça y en a pas beaucoup non plus. Ouais.
Vas-y, envoie Slam. Il le slamise, charcuterie sur pâte. Hall de fashion de barbecue. C'est marrant parce que... Le fait que ce soit un cochon qui prépare, qui soit l'icône de slamise, ça fait un peu... Et vous savez comment je sais ça? Parce que je suis un cochon. Oui, c'est ça, ma reine. Je suis Riddil. Merci. Ah. Merci pour cette intervention de qualité. Coucou, ma reine. Je t'avais pas reconnu. T'es rose, du coup, je t'ai confondu avec Shiro. Tu es Riddil. Eh ben... Je suis Riddil. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais venant de Varenne, c'est forcément un compliment. Tu as oublié le cul. Varenne pense pourtant souvent au cul. Oui, moineau, voilà, nuf nuf. Et vous savez comment je le sais? Parce que je suis un cochon. Mais t'en fais pas, Varenne, les VOD sont disponibles, hein, donc il y aura... Voilà. Y aura même des extraits vidéo. Ça sera sauvegardé indéfiniment. Voilà, Shiro est d'accord qu'il faut jamais oublier le cul. Le cul est parti dans les armes. Jamais oublier le cul, Shiro. Indéfinitivement. Regarde, on se marre parce qu'il fait les mouvements sur son clavier, mais c'est moi qui ai la préparation et donc c'est moi qui m'en occupe. Mais en fait, j'ai rien à faire là. Oui, c'est ça. C'est pas mal, non? Moi, ça me va de me toucher. Et c'est quoi ton ticket? Voilà, tu prends les trucs avant qu'ils arrivent, quoi. T'as vu ma casquette? Ouais, j'ai vu ta casquette, ouais, carrément. Mais Romain, c'est bon, tu peux regarder sans culpabiliser, c'est la... Franchement, tu devrais regarder sans culpabiliser, parce que déjà, c'est la pause de midi, et en plus, si les clients, ils peuvent pas te donner d'infos pour t'aider à connecter au serveur, tu vas pas en plus essayer de... De faire les trucs sans te connecter, quoi. Bah, moi je t'appelle de tout par ton prénom, mais c'est difficile. C'est difficile de se défaire de ça. Au pire, tu réponds aux gens, vous aviez qu'à acheter un produit qui était mieux fait. Arrêtez de râler. Laissez-moi tranquille. Pouf, plus d'appel. Et pouf, c'est tout. Ça va faire pouf, c'est tout. Ça va faire pouf, c'est tout. J'avais pas vu, mais Slamise, l'icône de Slamise, elle a l'air un peu derp quand même. Pardon? L'icône de Slamise, elle a l'air un peu derp. Oh, un peu, pas tant que ça. Elle a plutôt l'air de... Si fais... Parce que je suis un cochon. Si je te fais la même tête, j'ai l'air un peu derp. Mais c'est parce que tu n'es pas un petit cochon, c'est tout. Allô, tu as reçu les photos? Non mais le SAMU, de toute façon, c'est pas grave si ça répond pas. Il te manque les petites oreilles. Si tu veux, je peux les rajouter sur les bœufs. Ça t'intéresse? Quand elle est comme ça, je sais pas. Je pense en noir. Il faudrait demander au public, mais... Je pense qu'il faudrait que ça soit écrit en noir. C'est dommage, parce que... Je crois qu'en plus, j'ai un... Il y a plus de conche-conche écrit. Si, il y en a mais encore. Il y en a encore, mais l'autre est... L'autre est périmé. On a plus de tâches ménagères... que de gens à servir. Ah oui, je sais que ça met que je diffuse de l'as d'or comme d'hab, j'ai oublié de changer le jeu, quoi. C'est un grand classique. C'est un gag, c'est le gag. C'est le running gag.
Je viens faire un lave-vaisselle, il y en a un autre. Moi je dis, le mystère, c'est... Regarde, il y en a un troisième. Comment est-ce qu'on fait pour écluser la vaisselle aussi? Je vous trouve bien désagréable. En 5. Hey, y a marqué j'ai foiré la combo, pas je vais pas être loup. Vite. C'est la catastrophe. Salut! En vrai, je sais pas comment est-ce que tu sers tous ces gens-là en même temps aussi vite. Hein. C'est, je pense, en fait, c'est le truc dans lequel ça cuit, tu vois, tu l'ouvres et dès que c'est cuit, tu lances sur les gens. Il y a que trois assiettes couvertes en verre et plat et du coup, il faut les laver sous. L'étiquette est pas très lisible. Ouais. Tu me donneras une plan... tu me donneras une page. Je vais. Dès que tu fais, je sens désir. Tu veux? Pardon. Ah, t'as pas cassé la combo. Parfait. Peux-tu me passer une feuille de les imprimantes? Je te prie. Il y a bientôt plus de feuilles dans les imprimantes d'ailleurs. Les feutres, je les ai encore rendus au petit. T'inquiète, heureusement qu'Yann m'a offert une ramette de papier pour Noël. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra faire Fire Kickers. Tiens. Il y en a deux. Je pense que c'est un de ceux où on a le moins. Ouais, clairement. Clairement, c'est Fire Kickers. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça serait plus facile avec un feutre. Avec un feutre. No shit, Sherlock. Mais il n'y a pas un marqueur quelque part par là? Non, je n'utilise pas les marqueurs pour écrire sur du papier. Déjà, ça passe au travers, ensuite ça pue, et en plus, ça utilise mes marqueurs alors que j'en ai besoin pour d'autres trucs et que j'ai pas d'argent pour en racheter s'ils sont morts. Moi, j'aime bien l'odeur des marqueurs. J'aime bien l'odeur des marqueurs. J'aime bien l'odeur des marqueurs, c'est tout. Salut Varenne. Zozo. Ah bon du coup, pourquoi il se sort? Oui. Ah bah du coup. Bon énervement sur tes tickets. Voilà. Bon courage pour les après-midi. Sly. Est-ce que tu serais super super sympa et tu m'aiderais à attraper la boîte de feutre qui est sur le bureau du petit dans sa chambre? S'il te plaît. Oui, en fait, pour l'étiquette, on n'a pas de feutre, alors on est en train de le faire au stylo bille, ce qui est quand même vachement moins pratique. Mais en plus, elle va être beaucoup trop grande, l'étiquette, là. Il faut qu'on la voit, quand même. Ça fera 5 euros. 5 euros? Si je te paye en chirachi. Elle est vide! Ramène-moi un feutre noir, espèce d'insupportable créature! Il m'a amené la boîte de feutre, il l'a vidée exprès! Ces gens, quoi. T'es en train de faire l'andouille toi aussi, c'est ça? Non, c'est bon. Oui, c'est toujours moi. Ce bras est à moi. Parfait. Tu fais que tu regardes où est la webcam et tu sauras où est-ce qu'il faut mettre les feutres pour que les gens les voient. Enfin, la webcam. Le truc un peu fatigué qui nous sert de webcam.
Qui a... la délicatesse d'un ours sous cocaïne. Il aspirant, exilarant. Le pire, c'est qu'il y a 5 euros pour le service de m'amener la pochette vide, quoi. Donc la petite musique d'ascenseur, c'est parfait. Ça arrive, hein, ne vous en faites pas. Nous retrouvons tout de suite après une courte page de réclame. Les fruits de Seb, les fruits de Seb. Les biscuits boustifants, ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est, ça a l'air louche, je veux pas ça dans ma bouche. Oh, bon les frais d'euro, hein. Crevetola, crevetola. Je pense qu'il faut que tu la coupes sur le côté. Mm-hmm. Je pense aussi. Bouchon. Tu vas finir avec une moustache, tu le sais, remets le bouchon. Veuillez, je vous prie, me fournir le bob de la honte. Hop. Bon sang. Lâche ça. Il aspirant. Il aspirant. Je pense que c'est un peu comme Lulu. Exilarant. Exilarant, c'est pas... Enfin, le truc, c'est que ça fait du reflet. Mais je pense qu'on le voit mieux. Je pense que c'est pas mal, là. C'est pas moi. Tu vas casser mon contrôleur. Non. C'est pas vrai. Je peux pas dire, si tu casses mon contrôleur, ça va mal se mettre. On voit beaucoup mieux, voilà. Parfait. Non, c'est pas dans le sens. C'est parfait, non ? C'est parfait. C'est impeccable. Allez, sur cette interlude. Et le contrôleur. Je ne referai pas une autre étiquette, non. Ok. On a de quoi faire des sides et on a de quoi faire les deux trucs en rab. Tu sais que tu vas l'envoyer sans side si tu fais ça. Poule porc. Ça a l'air trop bon. J'ai tellement faim. Tu fais gaffe, le poulet, il faut pas le mettre au pif, il y en a différents. Oui, j'ai tellement envie de manger foot. Ah bah du coup, on voit pas la tranche par contre. Je pense que tu devrais te la mettre en plein dans la tronche. C'est pas fait. Ah là là. C'est complexe, là. Tout ceci est bien est fort complexe. Tu veux recommencer la journée ? Personne n'a rien vu. T'as cassé la combo ? C'est pas grave, t'as déjà le bob, qu'est-ce que tu t'encares ? Steak. Voilà.
toute façon, on regardera le replay, voilà. Je vous ferai un best-of premier trimestre 2018. A plus, Chiro. Merci d'être passé. KFC, hein. Pulet de porc, de la sauce et un top. Et bon courage, oui, pour l'après-midi, bien sûr. Tiens, comment est-ce que je peux dire sois fort en non genré? Tu vois, genre parce que. Tu... Du coup, si je. Bon courage. Mais merci. Merci beaucoup. Ah, et bien du coup, à tout de suite, Moineau. Et bon appétit. Ce silence de la concentration, oh mais là, c'est un resto qu'on connaît pas encore. C'est terrible. C'est parce qu'en fait on a suffisamment digressé. Digressé. Ah, petite levée de niveau, voilà, c'est parfait. Mais. Moi, tu vas garder. Je sens que je vais garder ce cerveau longtemps. Mais j'ai encore glissé en plus, quoi. J'ai même pas fait une erreur, j'ai juste envoyé un truc pas cuit. Voilà, tout de suite tu parles, tu te déconcentres et c'est terrible. Mais oui, mais c'est toi qui as dit qu'il y avait du silence. Voilà. Mais non, c'est Rena. J'ai juste répété ce que Rena écrivait. Franchement, quand on fait une journée parfaite, tu devrais l'enlever parce que sinon on voit pas la différence. C'est pas faux. La journée parfaite donne le droit de l'enlever. Mais bon, je garde pour l'instant. C'est pas ma faute. Mais non, mais bien sûr que t'es adorable, bien sûr. C'est juste, bah, des fois on se plante, c'est normal. En plus, Hendrix prend le côté plus difficile. C'est moi qui ai cassé la combo, je crois. Je l'avais cassé avant, donc ça me fait pas. Bah écoute, ça m'arrange. Il y a plus de trucs pour hamburger. Flûte.
plus rien. Il n'y a plus rien. À poil sur dents. Ce qui va se mettre à la place en fait. Moins bien en tout cas. Oh super! On va débloquer plein de petites décos. Des chaises pas super. Un mur ocre, sable bivouac. Voilà, un mur sable bivouac. Une assiette. Petite fleur orange. Ça c'est joli. Ouais. Goldorak. Ouais, mais c'est pas VG. Je pense que c'est le dernier sur les restos. Food check, food checkers, je pense. Ouais. Easy, on va faire ça. Quelle heure est-il ? Je pense qu'il est 1h50, puisque dans le chat, il y a écrit 1h50. Ouais, c'est juste une boule. Les gens te diraient, quelle boule ? Ça arrive. Ah bah il a disparu en même temps que mon sandwich. I am your sandwich. But John, I am your sandwich. Je t'assure que si t'entretiens bien ton resto, il n'y a pas besoin de faire ça. Si, normalement t'en as besoin, mais personne ne le fait et tout le monde s'en carre. Oui, mais je me demande si t'as besoin de le faire, si tu tiens correctement. C'est quoi tenir correctement? Ben, c'est faire en sorte que ça soit pas crade et pas insalubre. Il y aura toujours de la nourriture. Oui, mais tu nettoies tous les jours normalement. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais tomber de la nourriture pendant que tu fais la cuisine en journée, tu vois, qu'il y a tous les rampants du quartier qui vont se ramener. Tu sais ce qu'on pourrait faire aussi, comme demain, plutôt que de faire du comment ça s'appelle, du Kingdom, je pourrais mettre du Overcooked. Bah disons qu'à 2 c'est moins sympa non, qu'à 25. Non, en plus demain je ne joue pas. Ah oui c'est vrai, t'es en entretien. Ce n'est pas possible. Bah du coup ça sera Kingdom demain.
quoi j'ai fait 30 fois le même sandwich à la chaîne, c'est l'usine. Mais non, c'est pas l'usine, on te paye en passion. Ah oui, c'est ça. J'adore être payé en passion. En vrai, là, on est payé avec les pouvoirs. Ah, bon, c'est bien de manger, c'est bien de manger, Anna. Bon appétit. Hendrix. Oui, non, mais ça va sonner. Je suis pas disponible. N'hésite pas à revenir, ne s'en fais pas, on t'attendra. Ben écoute, tu vas garder le bonnet. Je pensais réussir à m'en débarrasser, en plus ce resto il est facile à voir. Le bonnet. Mais non! Oh là là! Au moins t'es sûr qu'elle est bien cassée, quoi. En fait, c'est souvent je glisse et je mets le top bun au lieu de mettre les pick-ups, enfin avant de mettre les pick-ups. Et du coup, c'est trop tard. Ça fait un peu penser à BO de Breath of the Wild, cette musique, je trouve. Ouais. C'est cet vrai instrument de musique en particulier, je sais pas ce que c'est. C'est un piano. Pas celui-là, celui d'avant. Enfin. Oui, voilà ça. Et c'est un piano, tu penses? C'est un synthé, peut-être? Oh, une tarte au mur. Et non pas une tarte au mur. Eh ben on a qu'à faire des tartes, voilà, Pyrite. Ah oui, avec le retour du gâteau des enfers là. Oh là là. Je sais pas pourquoi mais je le sens pas ce gâteau. Tu sais ça parce que t'as peur de garder ton chapeau. Tarte chocolat. Excellent choix. Ah oui, alors du coup je te propose que... Chocolate. Vas-y, se chauffer. Je m'occupe d'envoyer les plats et comme ça t'as juste à t'ennuyer avec le gâteau horrible. Il est si horrible que ça? Bah je crois que c'est pénible parce qu'après il faut qu'en plus tu le redécouvres et que tu le prépares. Et que tu remettes de la chantilly et un truc sur le dessus. Oui, mais est-ce que c'est un rôle d'après? Je m'en rappelle pas ce que c'est.
Red Velvet. Ah oui, oh non. Mais non, c'est pas compliqué, voyons. Chocolat, 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 c'est ça? Crust. Rhubarbe. La rhubarbe et de la chantilly. Ça va? Tu salives pas trop? Avec trois assiettes. Ultra calme parce que Mono et Anna sont allés manger aussi. Pas cuit, j'ai raté la combo. C'est moi, je pense que j'ai raté la combo. On verra, mais. Bon, j'ai cassé la combo. Bon, et ben, à toi le chapeau. Je vais essayer de monter des coups. Ah, bah oui, mais à un moment, faut assumer. Hein. J'ai compris pourquoi sur Texas Tea je disais X et toi tu disais T. Toi ton raccourci c'est T. Oui. Parce que moi le mien c'était X. Non, c'est X aussi.
Ah, petite montée de niveau. Ah, c'est trop vite. Ah. Pourquoi tu disais T? Juste pour le T? Parce que, en fait, le raccourci, c'est Ips. Donc, du coup, ça fait pas trop sens. Texas. Mais du coup, T, Texas. C'est toujours nul. Mais mes blagues sont drôles. Regarde même le petit smiley. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ces blagues sont un petit peu drôles. Tu vois. Mais pas trop non plus, quoi. Bon bah vas-y. Je m'en débarrasse enfin. Parfait. C'est parfait. Ça, on a quand même un peu de lumière. On en fait une dernière? Ouais. Ah oh, bah on débloque des plus jolis petits pots et tout. Petit bassin. Des calcomuraux. Ah, bah voilà, nouveau resto pour finir en beauté. Oh, Esteban's. Ah oui. Et après, il y a le chimichanga. Okay. Re. Regarde, c'est plus moi qui ai le chapeau. Au cas où. Ouais, non, je vas-y. Sais pas si tu peux. Si elle me tire là, je vais. Et oui, changement de chapeau. Et t'es en train de perdre ton. Oh, pff, ça va. Ça a l'air trop bon. Ouais, ça va vraiment l'air trop. Ah, chimichanga, queso. Le chapeau a changé de tête, voilà, c'est plus écoutant ça. Cet été, je ressortirai, j'ai des chapeaux un peu plus sympas, peut-être plus rigolos. Vanilla. C'est tout? Ça cuit et après on est obligé de le préparer. Ouais, ça après, ça il faut le préparer, je crois. Le chimichanga, c'est bien, c'est simple. Il n'y a pas d'embrouille. Oh, c'est répugnant. Le bruit que ça fait? Non, la texture du truc, ça a pas l'air bon. C'est parce que t'as jamais fait de la pâte à biscuits. Pop ça a l'air trop bon. Alors, qu'est-ce que c'est très bizarre. Non, tu fais des trous dedans. Comment ça s'appelle? Je sais pas, faudra regarder. Ça s'appelle très léché. Tresse léches. Ça doit être 3 lait, peut-être. L'avantage c'est que c'est facile. Ah, chimichanga tout seul. Ça m'a stun quoi. Je m'y attendais pas. Fin sucré ce truc. Reina disait que le tres leches c'est sucré. Bah en même temps ça a pas l'air d'un truc salé. Déjà tu veux des nuits au chocolat. Mais après qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin avec quoi c'est fait? On dirait de la crème au chocolat en fait, de la crème à la vanille. Non, c'est juste la pâte à gâteau. Pock roll. C'est bien que la pâte à gâteau, avant que ce soit cuit, c'est liquide en général. Ah ouais, peut-être que c'est bon. On fait des petits trous. Des petits trous. On a du lait. On a encore une personne qui prend son chimichanga sans rien quoi. Non, c'est dur la pauvreté quoi. C'est peut-être bon tout seul, hein. Un gâteau type yaourt, je dirais, mais imbibé de lait, de lait sucré, de lait concentré. Et d'accord, d'où le 3 lait. Très bien. Un truc qui contient pas trop de sucre. Ce gâteau d'apparence simple est en réalité imbibé d'une sauce 3 lait. Voilà, lait entier, lait concentré sucré et lait concentré non sucré pour un résultat garanti super moelleux.
Ça doit être pas mal, hein. Ça doit être pas mal. Ah, tu rigoles parce que pour une fois, c'est pas toi qui l'as sur la tête. Du coup, il faudra qu'on essaye d'en faire. Ouais. Il faudra acheter du lait entier pour ça, quoi. Et hey, je trouve aussi que ça me va très bien le bob. J'adore la salopette de la dame. Ah ouais? Ouais. Enfin, je sais pas si c'est une salopette, mais. Tu sais pas si c'est une dame non plus? C'est pas faux. En tout cas, j'aime bien son accoutrement. T'as des chimichangas qui sont morts. C'est vraiment dommage. Ça n'aura pas duré longtemps. Hein. Oupsi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, ça rigole. T'inquiète pas, hein, le chapeau de la honte, il te va bien aussi. Hein. Parce que peut-être le dessus du gâteau est un peu étanche et du coup faire des trous permet au lait de vraiment rentrer dedans. Ah mais du coup tu l'envoies comme ça, tu le laisses pas préparer. Bah oui, bah j'espère bien qu'il me va le bob de la honte parce que vu la quantité de temps que je passe à le porter, ça serait dommage. C'est vraiment pour faire entrer le lait dedans. Donc du coup, il faudra essayer. C'est possible. C'est dommage. Tiens. Voilà. Ma magnifique chevelure est tout aplatie. Volume 0. Et une petite plante verte. Et du coup, on a dit, dernière étape. On fait notre resto, On fait une fois notre resto ? Yep. Ah, très bien. Et comme on a plein d'argent, on peut encore améliorer notre équipement. Pour toujours moins de tâches ménagères. Ouais, le lave-vaisselle c'est bien. Mais c'est pour le lave-vaisselle, c'est ce qui consomme le plus. Non mais tu peux plus. Mais une fois c'est pas mal déjà. Il nous manquait quoi ? 70$. Aubergine, bretzel. T'as vu que c'est quoi ça ? C'était pas le symbole de la food que les gens ils en ont marre ? Oui, mais clairement, pour l'instant, je me suis pas penchée sur la question de... voilà. Tu veux pas faire view buzz ? On peut faire view buzz ? Menu rot, tu vois. Oui, mais c'est pas... franchement, on a dit VG, et le problème du VG, c'est que, en fait, ben... peut-être que je peux en acheter, ceci dit. On va voir food catalogue.
VG. Là, il y a plein de soupe. Practice mode. C'est pas VG. Ça se prépare forcément. C'est pas VG. Pourquoi ? Il y a quoi ? Regarde. Ah oui, chicken. Effectivement, il y a du poulet. Tant pis. Ah. Ok. Il y a une autre soupe. Ah oui, elle est. Egg drop soupe. Elle. Il y a des œufs. Il y a des œufs, mais ça reste VG. Les French toast le sont. Ouais, mais ils ont du menu rot. Autant acheter des trucs qui sont pas du menu rot. Ouais, c'est juste ça. Lasagne, bon, on peut pas avoir l'option uniquement VG. Les muffins. Mais c'est un side, on s'en fiche. C'est un... Enfin bref. On descend là-dedans. Le oatmeal, c'est bon. Ah bah tiens, ça c'est facile, le tiramisu. Ouais, le tiramisu. Ouais. C'est pareil, ça a du menu rot. Je pense qu'il aurait fallu trouver des trucs qui sont pas en menu rot. Oui bah en VG et sans menu rot. Je pense qu'ils sont tous. Et en plus là t'as mis des. Faut que tu restes gaffe parce que t'as mis des trucs en HS Required. Oui je sais. Je sais, mais c'est pas grave. Franchement on a suffisamment de stations. Voilà. Donc on a suffisamment de nourriture pour refaire notre catalogue. Petite entrée. Du coup on met quoi ? Ce que tu veux. Vas-y, tu peux faire genre céréales, glaces, tiramisu. Pas des glaces, ça c'est des petites verrines. Oui, bon, voilà. Des muffins, c'est bien, ils sont faciles à faire en plus. Ensuite, les sides. Side 1. Mac and cheese. Et le deuxième side. C'est Onigiri. Il y a un restaurant qui est particulier. Ça va parfaitement ensemble. Il y a de la bière, tu veux de la bière ? Non, j'ai pas de la bière, non, ça va aller. Allez, c'est parti. Ouais. Est-ce qu'on a un resto mexicain pas loin ? Je sais pas, faudrait qu'on regarde. Il y a deux trucs à préparer. Je pense que les onigiri, on pourrait en faire. Je pense que c'est bon. Oui, c'est facile. Hein. C'est facile à faire. C'est juste que je sais pas quoi mettre dedans. Et au final, si c'est pour mettre dedans les trucs qu'on mange quand on fait du shirashi et qu'on met sur le dessus, tu vois, pourquoi s'ennuyer à faire de l'onigiri si ce n'est pour le petit morceau non, de nori. Je pense que tu fais des préparations plus sophistiquées pour faire de l'onigiri. L'avantage du nori aussi, c'est qu'il est préparé direct, quoi. Le nori, c'est comme les salades là, dans le jeu. Il est préparé direct. Quand tu le prépares, il n'a pas besoin de cuisson. De quoi le onigiri ? Comme la salade, contrairement au macaroni. Oui, oui, ok. Voilà. Oui, mais en fait, c'était parce que t'as dit nori plusieurs fois. Attends, j'ai tarpé. Nori, c'est juste la feuille de. Autant pour moi. Banane. Alors tu vois, les flocons d'avoine comme ça, j'en ai jamais mangé, Léna. On va plus avoir de muffins, tu vois. Oh, ça style vite les muffins. C'est quoi les umeboshi? De la miette de crabe, ce truc dont je peux plus manger. Tu sais pas, potentiellement. Enfin, chez mes parents, ça peut pas être autre chose. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, parce que du coup, Hendrix s'est découvert une allergie au crabe. Là, cette année. Super triste. Thank you.
je vais y arriver. Je vois pas le piège à cafard. Noir sur noir. Non, non. Oh là là, Rena, allergie au saumon. Non. Ah, des prunes salées, ça doit être particulier. Une allergie au saumon. Oh, la terreur, l'horreur. La tristesse. C'est catastrophique. J'ai à dire, ce restaurant ressemble vachement à notre restaurant, mais en fait, on est dans notre restaurant. Comme c'est étrange. C'est fortuit. C'est fou, mais ça ressemble à chez nous ici quand même. Parce que j'aimerais bien apprendre à faire ces mochis, parce que depuis que j'en ai mangé, je trouve. C'est quoi? C'est une espèce de boule de pâte de riz. Fourrée à quelque chose qui sert de dessert en général. J'ai ramené un truc sucré dedans. Et genre, haricots rouges. C'est trop bon. Faudra que j'achète d'autres sides. Du coup, on a un menu un peu moins déconstruit quand même. T'imagines si en vrai on faisait ce qu'on fait avec notre restaurant là, genre c'est un restaurant et genre du jour au lendemain il change complètement de trucs qu'il fait, tu vois, genre un jour tu viens et tu manges de la charcuterie et tout et le lendemain il fait que des trucs sucrés avec des céréales et Aina est d'accord avec toi pour les mochis. C'était une journée quand même pas mal. Les gens qui prennent des onigiri avec leur... Et quoique, je pense qu'il y a moyen de faire du onigiri. À la confiture. Oui. Du onigiri dessert. Après, faut voir le... quel goût ça a, le riz vinaigré, si tu mets du sucre avec, quoi. Et c'est le centième combo, tout pile. Et j'ai le droit d'enlever mon chapeau? Oui. Ouais. Ah, des jolis petits tableaux et tout. Et la même? Ah bah la même, mais en mais bleu. En bleu. Des faux onigiri, c'est-à-dire des onigiri pas avec du... Ben genre où tu fais pas ton riz pareil, je pense, pour que ça soit sucré, tu vois. Voyons voir. Que je mette un petit... Il est pas mal le tableau qui est à droite. Bon, par ouais, contre, t'as vu, rouge sur rouge, ça se voit pas beaucoup. C'est dans, peut-être c'est dans les objets, ce truc. Que tu cherches. La sphère grise. Ouais, elles sont là. Moi je préfère la bleue. Oui, mais on a un resto qui est gris et rouge. Moi je préfère la bleue.
Bon. C'est très étrange. Il y a un tableau là. Je sais, mais je vais l'enlever. On a le même de l'autre côté. Edit, delete, art. Oui. Oui. Quoi? Voilà. Du riz au lait. Oh, je connais quelqu'un qui adorerait ça. Je connais deux personnes qui adoraient ça, du coup. Bon. C'est pas mal. Voilà. Pas je fais le presto. Roast beef sandwich. Et voilà. Et du coup, on arrête pour aujourd'hui parce qu'on a faim. Manger. Et on va se retrouver demain avec du Kingdom comme d'hab. Moi j'en reviendrai peut-être lundi prochain. J'aimerais bien, ça serait cool. Voilà. Zouzou. Merci d'être passé. Merci de rester aussi. Bon appétit Rana si tu n'as pas encore fini de manger. Remplacer l'algue, tu mets un bout de crème chaud quoi. Ça va être trop bien. Du coup, à demain.